Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Génération Startupper. Aujourd'hui, on est à la Cité Paradis et on a rendez-vous chez Open Classrooms. Vous me suivez ? Open Classrooms, c'est tout simplement la formation en ligne de demain. C'est aussi bien des cours pour ceux qui veulent picorer et apprendre en quelques minutes que des parcours, des formations complètes qui amènent à un diplôme reconnu par l'État. Donc on peut avoir un bachelor en ligne en se formant 100% en ligne avec un mentor qui vous accompagne. Aujourd'hui sur Open Classrooms, on a plus de 2 millions de membres et un millier de cours qui vous permettent de vous former aussi bien sur le métier de développeur que sur le métier de web marketing ou du design. Donc on est en train de développer de nouvelles thématiques et de s'étendre à l'international en anglais et en espagnol. Qu'avez-vous de spécial par rapport à vos concurrents ? On aide les gens à trouver un vrai travail. Je pense qu'il y a beaucoup de startups dans la tech qui disent que on peut changer votre vie et tout ça, mais finalement, si vous n'avez pas un job à la fin, ça compte pas pour grand-chose. Oui, au point qu'au-delà du diplôme, nous, on accompagne les gens effectivement à trouver un travail, c'est-à-dire qu'on ne les lâche pas après le diplôme. Et on va compter le nombre de personnes qui trouvent un travail. Et je pense que cette notion de mission et cette orientation sur la mission, elle a beaucoup de puissance en fait à la fin. Si votre start-up était une matière, une matière scolaire alors. Une matière scolaire qui n'existe pas vraiment encore, le code. Je pense que le code, ça serait une matière, ouais. Quand même. Quel est le meilleur coup que vous avez fait ? Moi, je pense que c'est la pub que François Hollande nous a fait avec l'annonce du partenariat. Une grosse visibilité, ouais. C'est clair. C'est important. On peut dire que ça compte beaucoup. Surtout le nombre de fois où il a dit au podcast. Avec un S. Si votre start-up était un jour de la semaine, je pense le vendredi. Hein. Est-ce que le vendredi, tout le monde est content? Tout le monde est content, c'est le week-end. Et nous, toute la semaine, on est content. Comment pouvez-vous encore améliorer votre produit ? Eh bien, je dirais faire plus de cours en anglais, espagnol, dans toutes les langues pour pouvoir vraiment internationaliser, quoi. Après, il y a plein de choses. Après, tu me poses cette question, moi je te sors une liste comme ça et on a fini. Donc, si on doit répondre de façon courte, oui, en multipliant les formations déjà, et notamment dans d'autres langues, ça peut toucher d'autres personnes. Bonjour Pierre. Vous venez de lever 6 millions d'euros. C'est quoi les prochains grands projets pour Open Classrooms ? Bonjour. Alors, on a deux grands projets avec cette levée de fonds de 6 millions d'euros. Le premier, c'est le développement des parcours métiers dans d'autres thématiques avec du marketing, avec du management, du code, de la data science. On va créer donc davantage de formations diplômantes. Et le deuxième grand axe, c'est l'international. Et on va déployer ces formations diplômantes en anglais en Angleterre et en espagnol en Espagne. Super. Et donc, pour accompagner ces nouveaux projets, est-ce que vous avez prévu de recruter dans vos équipes ? Oui, beaucoup de recrutements sont en cours. On vient d'embaucher une vingtaine de personnes ces derniers mois. On a encore une vingtaine de postes supplémentaires à embaucher sur le marketing, sur le commerce, sur le développement, front-end, back-end, sur la pédagogie aussi. On recrute beaucoup de professeurs en ce moment. Tout est disponible sur jobs.openclassrooms.com. Merci Pierre. Longue vie à Open Classrooms. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de Génération Startupper.